behind decisions I chose. Peaks feel good and those valleys get low. Chains for the tires and the rain, hail, snow. It's like this everywhere that I go, everywhere that I. A lot of motherfuckers go down, don't come up. Voice in my head, don't shut up. Blew an opportunity, I tried to call back, but she hung up. Anything to try to get the one up, run it. Back of my head, the thoughts killing me. I don't have a second to spare, well not willingly. Way too much effort in people who not feeling me. Equivalent of burning myself with hot spilling tea. I'm talking like Jerry, man, what you gonna do? I need to pick up. Bon, salut à tous, salut les gars. Aujourd'hui, hein, c'est pas commun. On est sur le circuit international de karting d'Angerville. Hein, c'est le 8 mai aujourd'hui. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà assez annoncé dans mes vidéos. Aujourd'hui, vous allez pouvoir rouler sur piste. En tout cas, ceux qui sont présents et qui vont regarder la vidéo après. Je vais vous faire le tour du circuit. On va découvrir ensemble tous les intervenants. Bon, Fast Ride, vous connaissez, meilleur des assureurs. D'autres marques comme Nami, d'autres boutiques comme Dualtron Store. Vous allez surtout aussi pouvoir voir des riders rouler avec leur trottinette. J'espère qu'il y aura des chutes. Non, peut-être pas. On verra. Et donc, je vous rappelle aussi, hein, il y aura un heureux gagnant, l'heureux gagnant d'une moto Super Soco hein, que Fast Ride et moi-même allons vous offrir. On participe tous les deux à ce cadeau. Donc, on prendra quelqu'un complètement au hasard. Donc, voilà, très, très grosse journée. J'ai mis les moyens. Je pense que la vidéo va vous plaire. Elle va être énorme. J'espère qu'il y aura des belles images. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Également, dernière précision, parce que vous n'avez pas forcément tous l'habitude de rouler sur circuit. Le circuit tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on ne prend jamais le circuit à l'envers pendant les séances. OK? Oh, le petit joueur. Et aussi, du coup, je me présente, hein, Frédéric. Moi, je suis président de l'ERC. Je voulais, du coup, profiter là, de votre temps de cerveau disponible là, pour vous présenter un peu, du coup, l'association. Avant tout, déjà, vous remercier tous hein, pour être venus, parce que finalement, c'est, je pense, le plus gros événement de trottinette organisé en France, en tout cas en trottinette électrique. Donc déjà, on peut déjà se féliciter de pouvoir avoir organisé cette manifestation. L'ERC, alors l'ERC, bah, ça vient de qui? Ça vient bah, principalement des merguez. Bon, les merguez, voilà, c'est un groupe de riders un peu acharnés parisiens qui, bah, depuis plusieurs années, circulent dans Paris et leur trotte devenant de plus en plus puissante, se sont dit un jour, bah, ça vaudrait le coup finalement de commencer à passer un niveau au-dessus et finalement à commencer à pratiquer sur circuit. Voilà, donc on est à peu près une vingtaine, on va dire, dans l'association, et puis bah, on œuvre sur la démocratisation finalement de la trottinette électrique sur circuit, déjà en organisant des track days comme aujourd'hui. Entraînez-vous, apprenez à faire des bonnes trajectoires, les bons freinages, voilà, et tout ce qui tourne autour de la pratique sur course est si différent que de remonter sur les champs à 110. Voilà. Allez, bah, pour ceux qui sont prêts, on peut lancer la première session. Session libre. Merci, merci. Là, c'est la pause. Il y a eu la première session, 10h30. C'est la pause, 10h45. On va rattaquer avec la session pro. Si elles tombent pas toutes, s'ils les détruisent pas toutes. Donc là, ils sont tous en train, câlin,
Oh bah je me disais, qui c'est qui me fait un câlin comme ça? Mister Kebab. Mister Kebab. Donc là, ils ont fait toute la première session de chauffe, la première session libre. Et là, donc il y a tous les pros, comme vous avez pu voir, qui sont en train de préparer leur trot pour la session pro. Donc il y a eu des changements de batterie parce qu'ils peuvent pas recharger tout de suite leur batterie. Donc le plus simple, c'est de prendre une batterie déjà chargée. Ils vont rerouler avec et ils chargent l'autre en attendant. Et puis voilà, vous pouvez déjà voir que certains ont bien attaqué. On voit les pneus avec les morceaux de gomme. Comme quoi, une trottinette, ça va quand même assez vite. C'est sûr, c'est pas une moto, c'est pas un super 4, c'est pas un karting. Mais oui, quand même, ça attaque. Il y a les températures de pneus à respecter. Il y en a certains qui en ont fait les frais, qui ont attaqué un petit peu trop tôt, que les pneus n'étaient pas assez chauds. Et puis voilà. Allez, on va voir. Donc, vous connaissez cette trotte? C'est la trotte de Fouque. Elle a fait plus d'un million de vues sur Facebook. Parce que Fouque, il a l'habitude, quand il vient sur le circuit, il fait que bricoler ses trottes, en fait. Il roule très peu. Donc, je pense qu'il a eu des petits soucis de cap confondus, non? Ouais, c'est un peu chauffé, là. C'est un peu chauffé, donc voilà, bon, bah... Je pense que c'est terminé pour toi aujourd'hui, non? Tu vas essayer de réparer? Je vais essayer de réparer. Peut-être la gâchette qui a fondu, je sais pas. Ouais, parce que l'électrique, bah, malheureusement, ça chauffe. Il y a du câblage, donc... voilà, surtout comme dit Samy, quand tu fais un bon quintal. T'as quelque chose à dire, Samy? J'ai faim. T'as faim, bah, t'as toujours faim, de toute façon. Regardez-moi ça, là. Bah, n'empêche, hein, t'as pris du poids, donc t'es derrière Mathieu, quoi. Eh, Mathieu, de ouf, hein. Ah, de ouf. Bah, après, il la connaît tout le temps, hein. Donc, Mathieu qui pense à tout, qui se coupe même les cheveux avant de venir sur le circuit pour gagner quelques grammes. Et attends, je crois que... Oh oui, c'est doux. Alors ça, c'est la trotte de Mathieu, donc c'est... E-Trot Paris, tu peux voir son Instagram là sur le deck. On peut donner ton Instagram, bien sûr. On voit, donc c'est le numéro 29, vous verrez sur la piste. C'est celui qui tourne le plus vite jusqu'à présent. Alors après, on va voir. Il y a Samy qui va peut-être chauffer et qui va peut-être le tenir. Après, c'est possible qu'il tombe, après il sera plus premier. Hein. Mais bon, voilà, c'est une trotte qui va... 110, 115 Mathieu? Un petit 115 quoi. Tu l'as senti? 115, fiable. Après sur la piste, je pense pas 115, mais bon. Au moins 100 je pense. Ouais, en bout de ligne droite. Voilà. Une bonne petite pointe à 115 ici, c'est un peu compliqué quand même. Tu l'as senti comment la première session libre? Là au début, la piste elle était quand même froide. Là il y a le soleil qui arrive, donc elle va se réchauffer. Et petit à petit, à force de tourner, les pneus ils accrochent de plus en plus. Donc normalement... ça a bien commencé pour la première session libre, en espérant que les autres se passent bien pareil. J'ai vu, tu as changé la batterie. Est-ce que tu vas changer les pneus aujourd'hui ou tu vas garder les mêmes pneus pour toute la journée? Je pense que les pneus, ils tiennent toute la journée. Hein. En fait, on récolte que la gomme des kartings, en fait. D'accord. C'est pas notre gomme qu'il y a sur nos pneus. Hein. On nous rajoute de la matière. On vient pour gaspiller des pneus, on repart avec des pneus neufs. Bon, tu penses gagner la moto? Ah, si tu as la bonne main chanceuse qui va piocher, ouais. Pourquoi pas, hein. On va aller avoir la trotte d'Iliès. D'Iliès, il y a eu quelques images d'ailleurs qu'on va vous mettre tout de suite où il a fait une magnifique chute. Il attaquait super bien, il roulait super bien, super fort. On va aller voir les dégâts sur sa trotte. Parce que bah oui, quand ça chute, comme n'importe quelle voiture ou moto. Donc malheureusement, il y a la colonne qui est totalement tordue. Il y a un frein qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il y a eu comme dégâts? Il y a eu l'amortisseur de direction qui a cassé. Qui a complètement cassé. Pourquoi on met un amortisseur de direction? Pour que la trottinette soit plus stable en virage, qu'elle guidonne moins. Donc malheureusement, ça a cassé. Donc il va y avoir beaucoup de frais pour Iliès sur sa trottinette. C'est des engins qui coûtent environ 6 000 € sans la prépa. Après, si on rajoute tout ce qui est prépa, on va pouvoir rajouter facile 2 000, 3 000 € parce qu'il y a des prépas batterie pour booster la trottinette. C'est vraiment dommage pour Iliès, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est fini pour lui. Et il va plus pouvoir rouler avec sa trotte. Et puis là, il y a des gros, gros frais de réparation. Iliès, il est où, Iliès? Eh, vous avez vu Iliès? Ah, il est là. Bon, bah voilà, c'est Iliès qui est tombé. Vous avez pu voir, il attaquait vraiment beaucoup sur le circuit. Et il a un tout petit gabarit, donc il a la chance, contrairement à moi, qui fait bien le 100 kg. Je peux pas rivaliser contre lui. Mais il attaquait tellement bien que je pense que t'as attaqué un petit peu trop. T'as voulu prendre vers l'extérieur, c'est ça? J'ai perdu l'arrière sur un vibreur et ça a dérivé sur l'herbe et chute. Ta tête, elle a bien tapé, j'ai vu. Heureusement que tu avais le casque. Et effectivement, tu as perdu l'arrière. L'avant a grippé bien, tes pneus étaient super chauds, tu me disais.
Hein, tu marchais super bien. Les pneus nickel, la gomme tendre nickel, mais... Bah c'est, on apprend, hein, c'est comme ça. Hein. Par contre, malheureusement, mon ami, t'as pas mal de dégâts hein, sur la trotte. C'est fini pour moi. Aujourd'hui c'est fini. Bon bref, t'as un peu mal à la main, je vois, ils t'ont mis un peu de glace ou d'eau. Ouais, mais la combinaison ça va ? Nickel. Ça t'a protégé quand même, comme quoi ça sert ? Bon, t'es timide ? Mais sois pas timide comme ça ! Regardez mesdames ce beau regard, montre tes yeux, allez au public. Bon allez, on va aller voir, c'est la session pro qui va commencer. Malheureusement, Ilyes qui attaquait super bien, il va pas pouvoir la faire. Dès le premier, première session libre, il s'est foutu en l'air. C'est dommage, c'est comme ça. Bah allez, repose-toi. Alors c'est parti, il y a eu la première session libre. Maintenant, il va y avoir la session pro. Hein, donc des riders confirmés. On attend les deux derniers qui vont arriver. Ils vont se positionner. Et puis on va faire le départ pour les pros. Enfin, les pros, hein, vous m'avez compris. C'est les premières courses de trottinette. Bah oui, il y a eu les ESC, mais les trottinettes qui accélèrent vraiment fort seront ici. Les circuits ESC, c'est des circuits quand même beaucoup plus courts, avec des vitesses beaucoup plus réduites. Alors oui, c'est sensationnel parce qu'il y a beaucoup de virages, d'enchaînements, ils ont les combinaisons, les trottinettes qui se ressemblent toutes. Mais là, c'est vraiment des bolides qui sont vraiment très très puissants, qui sont modifiés par les propriétaires. C'est bon, vous êtes prêts? Donc parti pour 15 minutes. Eh, gratte pas, recule toi. Allez, c'est bon. Waouh. C'est bon, on s'envoie. On va pas rester sur la piste, hein, Thibaut, parce que là, je pense que ça va craindre pour nous bientôt. Là, ça envoie fort. Viens, on va aller au milieu. Comme ça, on va mieux les voir. Bon, alors là, c'est parti. Hein. C'est uniquement pour des riders confirmés. On va voir ce que ça donne. Il y a déjà des écarts qui sont en train de se creuser, mais bon, c'est normal. Il y en a qui étaient... au début, qui était mieux placé que d'autres, mais je pense qu'au fil des tours, on va voir vraiment qui envoie vraiment et qui crée vraiment une vraie distance avec les autres. On va pouvoir voir les performances de chacun. Viens, on va s'avancer, on va aller voir plus loin. On va se positionner au milieu de la piste. Oh là là, ça pose le genou, ça pose le genou. Regardez-moi ça là. Regardez-moi, il pose le genou et tout. Ah, il attaque vraiment fort, c'est impressionnant. On va le revoir, donc je crois que la bataille est surtout... avec E-Trot Paris et je sais quoi le numéro, j'arrive pas, 18, c'est un Suisse, il me semble que c'est l'équipe Suisse, je vais le demander après, on va voir, c'est les deux qui roulent le plus fort, on va les voir revenir, ah, il y a une chute, et elle a été filmée, c'est dommage, là on va voir celui qui accélère vraiment fort, le voilà là, on voit il pose le genou à chaque fois là, il est très très doué, très très fort. Ah ouais, ouais, ouais. On voit, ça doit être un motard, lui. Hein. Donc, Mathieu, qui a un petit peu de retard. Donc, qui trotte Paris, là, qui va arriver, là, en blanc et jaune. Voilà. Juste derrière le pilote Fast Ride. Ah, on le voit, hein, c'est magnifique, ça. Oh là là. Oh là 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 là. Ah, une petite sortie. Une petite sortie de piste. Ah, il y a Mathieu qui est tombé, pourtant, et qui les rattrape. C'est impressionnant, hein. Mathieu, il est vraiment impressionnant. Et juste derrière, il y a le pilote Fast Ride. Donc, c'est E-Trot Paris qui est vraiment très impressionnant. Pourquoi ? Parce que bah, il est tombé tout à l'heure à un virage. Et il arrive déjà à réduire l'écart avec les deux premiers participants. Alors là, c'est Sunken, c'est lui qui vous fait des pièces sur mesure. Et là, il y a Mathieu qui va revenir. Ah là là, Mathieu, lui, qui marche très très fort. J'espère qu'un jour, il sera recruté par une écurie, hein. Je fais un petit clin d'œil aux ESC. Si vous avez un pilote à recruter, bah, c'est bien lui. Oh là là, ça envoie, ça envoie. Donc là, vous voyez vraiment tout ce qui se fait de plus fort en pilote. Bon, c'est surtout qu'ils ont beaucoup d'expérience parce qu'ils roulent au quotidien avec le trottinette. Donc 15 minutes, ça paraît court, mais en fait, pour des pilotes, surtout en trottinette, c'est très très long. Pourquoi ? Parce que contrairement à une moto, même si une moto sur circuit, c'est quand même très physique, la trottinette, je pense que c'est un peu plus physique. T'es debout, t'es en permanence, en flexion, accélération, freinage. Oula, il y a une bonne chute. Une bonne petite chute. Non, mais c'est le hasard, c'est le hasard. Hein. Il faut exprès de se planter derrière nous, en fait. En fait, quand ils passent devant nous, devant moi, ils ont tellement la pression qu'ils se concentrent, en fait. Ils ralentissent, ils sont moins performants. Ils disent, faut pas que je tombe devant Jeff, sinon c'est la honte internationale. Il va le mettre sur la chaîne, c'est direct. Bon, c'est marrant, hein. C'est ce qu'on regrette hein, sur les Grands Prix de Formule 1. Avant, je me rappelle, quand on regardait les Grands Prix de Formule 1 avec mon père,
il y a de ça 25 ans. Et oui, je suis pas tout jeune. Et ce qu'on aimait, c'était les crashs, les départs, les accidents. Maintenant, il y a plus trop ça maintenant hein, sur les circuits, et c'est dommage parce que ça fait partie du spectacle aussi, même si c'est triste pour certains pilotes. Et là, avec la trottinette, vous allez avoir tout ça. Ah, il y en a certains qui commencent à être fatigués et qui rentrent. Hein. C'est très très épuisant. Le président des ERC en direct. Ils pilotent aussi, à la base, c'est des passionnés hein, qui bricolent leur trotte, qui les boostent leur trottinette. Et c'est voilà, donc c'est vraiment très très appréciable d'avoir vraiment une équipe de passionnés qui gère cette association d'ERC, qui gère des courses sur circuit. Hein. Il y en a de plus en plus, hein, parce que c'est vraiment très très demandé par la communauté. Alors ça, c'est le pilote Fast Ride. C'est le pilote Fast Ride, il est sur une Bronco Extreme qui a été préparée par Julien de Fast Ride, uniquement pour la piste. Alors malheureusement, il n'a pas encore assez d'expérience avec sa trotte. Contrairement à E-Trot Paris, à Mathieu qui roule depuis des années avec sa trotte, qui la connaît par cœur, là c'est la première fois qu'il l'a sur piste. Donc il faut qu'il prenne encore un peu ses marques, qu'il apprivoise sa trotte, et puis pour connaître toutes les capacités de sa trotte quoi. Et là il y a Mathieu, c'est vraiment le plus endurant. Hein. Aussi bien dans la durée sur... je crois que c'est le seul pilote qui va faire les 15 minutes de session à fond. La plupart sont déjà rentrés, sûrement par fatigue ou pour préserver leur trottinette. Lui, il est vraiment confiant sur sa trotte parce que c'est lui qui la bricole de A à Z. Il y a certains pilotes, ils donnent la trottinette à préparer à des professionnels. Là, Mathieu, lui, il la connaît par cœur. Contrôleur, batterie, moteur, il fait tout de A à Z. Et on voit qu'il est confiant sur sa trottinette et voilà, qu'il la connaît par cœur. Et c'est pour ça qu'il est aussi performant par rapport aux autres, en fait. Mais il y a certains trotteurs qui prennent un petit peu trop l'extérieur et qui tombent sur la piste qui est vachement dégradée, où il y a vachement de copeaux, et ils perdent vite d'adhérence soit de la roue avant, soit de la roue arrière. Alors, je sais pas comment il s'appelle, ce pilote. On va aller le découvrir ensemble quand il va sortir, je vais le choper. Mais avec E-Trot Paris, c'est celui qui attaque le plus. Et il me semble qu'il a une Storm. Oh oui, une magnifique roue. Je pense qu'il a une Storm ou une Ultra 2. J'ai reconnu la Dualtron en tout cas, avec le gros calepied à l'arrière qui est suspendu. Ah, il maîtrise bien. Il fait que des roues là. Alors ça tombe bien, c'est les deux pilotes qui attaquent le plus, qui vont arriver, qui vont sortir. C'est les deux fous de ride. Et on va pouvoir les filmer, les interviewer tous les deux. Bon bah les gars, fatigués là? Ça transpire dur? Je vois tu transpires, n'hésite pas à ouvrir. Ouvre. On a chaud. Moi, je suis bon pour retourner. Franchement, là, c'est embêtant quand même de devoir arrêter. Bah, 15 minutes, c'est quand même intense, non? Quand il y a moins de monde, ça va. Quand on est tout seul à tourner, à partir d'un moment, t'as moins de pression, quoi. Mais ouais, bah, 15 minutes, c'est tenable, facile. Alors, vous êtes les deux pilotes qui sont les plus rapides hein, sur la piste. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Vous avez chuté tous les deux, c'est ça? Toi, t'as chuté à quel virage? J'ai chuté au premier. Premier virage. Tu penses que c'était dû à quoi? J'ai trop pris confiance en moi, je pense, je sais pas. Je pourrais pas savoir. Et toi aussi, t'as chuté? Non, mais c'est aussi avec cette confiance. Je suis arrivé, j'ai voulu poser le genou trop fort et en fait, j'ai l'arrière qui a délesté. En fait, le problème, c'est le moteur à l'avant. Il tourne un peu plus vite parfois et t'accélères et ça chasse. Et... D'accord, ouais, et tu perds l'avant, quoi. Il n'y a qu'à avoir un moteur arrière, quoi. Qu'un moteur arrière, t'es d'accord avec lui? Ah oui, c'est clair. Comme en moto, quoi. Un moteur arrière, mais ultra puissant, ultra couple. Une ligne droite, ça va, les deux moteurs. Mais sur des virages, quand tu réaccélères, si le moteur avant il est pas bien réglé pour avoir moins de puissance que l'arrière, il patine. Hein. Alors c'est impressionnant, aussi bien Mathieu, donc t'as chuté. Même en chutant, t'as rattrapé tous ceux qui sont partis devant toi. C'était impressionnant. Toi, tes virages, c'est impressionnant. Le fait de devoir poser le genou sur une trottinette, c'est... Et là, t'as une Dualtron Ultra 2. J'avais du mal. Je me dis, mais avec une trotte, tu l'as modifiée ou pas, c'est d'origine? J'ai shunté l'arrière et j'ai mis le guidon, amortisseur et les pneus PMT. Je serais curieux de te voir sur une trotte plus puissante. Ce que tu pourrais donner, parce que c'est vraiment impressionnant. Tu fais beaucoup de moto ou pas du tout? Ouais, je fais déjà de base de la moto sur circuit, du DH, de la trottinette freestyle. Et tu viens d'où? Suisse. Ah, c'est toi qui viens de Suisse? Je me présente. T'es parti à quelle heure? Alors on est parti hier à 18h, on s'est arrêté à minuit à 20 km, on a dormi dans le camion. Puis ce matin on était là à l'heure. Oh les frais! Et ouais, il faut. Vous êtes vraiment les deux qui attaquent le plus sur circuit. Peut-être, on sait pas, les ESC vont peut-être vous recruter, non? C'est pas ce que tu recherches? Bof, quel championnat, je sais pas. Hein. Mais
Rouler en trottinette sur circuit, ça me plaît beaucoup. Et s'il y a l'opportunité d'aller quelque part rouler, pourquoi pas, hein. Et toi, c'est juste pour le plaisir ou aussi chercher quelque chose? Si il y a moyen de viser les ESC ou une autre compétition au futur, pourquoi pas, hein. Bon, moi, c'est cool. Plaisir avant tout. Voilà. Bon, merci les gars, allez vous reposer. C'était cool. Bon, je vais pas vous présenter Fast Ride, mais je vais vous présenter les partenaires des ERC. C'est normal, hein, ils ont participé à ce que l'événement se réalise en toute sécurité, qui est les moyens. Parce que c'est un événement comme ça, une journée comme ça sur circuit, ça coûte très très cher, hein, mon petit Fouque. Il y a peu que les bolides qui coûtent cher, il y a les assurances, il y a la location du circuit. Donc voilà, on va vous présenter en premier donc Save My Battery. Save My Battery, ils sont connus dans le milieu de la trottinette. Pourquoi? Parce qu'ils font des batteries sur mesure aussi bien pour votre trottinette pour avoir plus d'autonomie, plus de puissance, mais aussi des batteries accessoires que vous allez pouvoir mettre sur votre colonne pour ce qui gère tout ce qui est éclairage ou autre. Ils sont basés sur Lyon, il y a un site internet, il n'y a pas de souci. Là il y a toute l'équipe, ils démarchent, il y a même les moteurs, des moteurs apparemment. C'est qui fait les moteurs? C'est Rage Mécanique. Rage Mécanique, t'es sponsor ou t'es pas sponsor? Alors il n'est pas sponsor de l'ERC, mais il fait partie de la team Merguez Academy, comme vous pouvez le voir. Mais bon voilà, n'hésitez pas à aller les voir sur leur site internet, leur demander des devis. C'est vrai que c'est très recherché dans le milieu de la trottinette, avoir des batteries plus grosses, plus d'autonomie ou autre. Donc voilà, après sinon il y a l'assurance Mobin Assurance. Vous pouvez trouver facilement le site internet. C'est l'une des seules assurances qui assure les bolides, enfin vos trottinettes, aussi bien trottinettes que giro roue jusqu'à 45 km/h si je me trompe pas. Enchanté Clarisse. Ça va? Je présentais un petit peu Mobin Assurance. Je disais que tu étais l'une des seules assurances qui pouvait proposer une assurance jusqu'à 45 km/h, c'est bien ça? Correct, ouais. Alors Mobin, nous on existe depuis très longtemps, hein. Notre premier contrat il a été fait en 2009. Il était spécialisé pour les gyropodes Segway, donc c'était les seuls, il n'existait que ça en 2009. Hein. Et donc les professionnels nous avaient demandé de les assurer. On a monté toute pièce un contrat qui est en fait, il a évolué entre temps. Hein. Depuis 2009, on l'a ouvert aux trottinettes, aux gyro-roues à partir de 2013, je crois, quelque chose comme ça. Et puis on l'a adapté aussi aux particuliers, donc voilà. Et depuis on fait un contrat totalement adapté avec plusieurs formules et plusieurs options et on nous connaît. Parce que je vous rappelle que l'assurance est obligatoire, ça fait depuis un an et demi, c'est pas juillet dernier, je crois que ça doit être... Effectivement, il y a eu l'arrêté de 2018 qui a indiqué que l'assurance était obligatoire, mais elle était déjà obligatoire, simplement les gens ne le savaient pas. En tout cas dans le code des assurances, c'est l'article 211-1, c'est un article qui précise la définition du véhicule terrestre à moteur, et la trottinette rentre totalement dans cette définition. Du coup, effectivement, il y avait un petit peu un discours un peu ambivalent, parce que même les assureurs ne savaient pas trop s'il fallait l'assurer ou pas. Ouais, c'est ça. Alors, tu parles de responsabilité civile. Il y en a beaucoup qui pensent que la responsabilité civile habitation fonctionne pour les couvrir en trottinette électrique ou en roue. Et alors? Pas du tout. Alors effectivement, l'assurance habitation ne couvre pas. La responsabilité civile, c'est les dommages aux autres. Les dommages que tu peux faire en renversant une personne, en rentrant dans un véhicule. Tu as l'obligation d'avoir cette responsabilité civile circulation qui va couvrir justement ces dommages-là. Et c'est sûr que l'assurance habitation ne couvre pas puisque c'est un véhicule terrestre à moteur qui doit avoir sa propre assurance. Donc carte verte, quoi. Exactement, carte verte qui est éditée à chaque fois pour chaque modèle. Sinon, tu as un site internet, donc sinon je vois une adresse mail, donc c'est contact@mobin-du-milieu, c'est quoi, c'est -6 insurance, c'est pas assurance. Regarde, je vais te montrer mon petit Thibaut pour que tu puisses bien voir, comme ça vous avez toutes les coordonnées.
Si vous voulez assurer votre trottinette, votre roue, ou peu importe, chaque engin... Bah, il y a tout, regarde. Il y a tout écrit, là. Gyroskate, overboard, elle fait tout. Mais elle est géniale, Clarisse. C'est Clarisse, hein. Donc voilà, il y a tout. Vous pouvez la contacter. Elle est partenaire des ERC. On la remercie énormément, d'ailleurs. Et je vous rappelle, hein, c'est obligatoire, les assurances. Bon, hein, je continue le tour des exposants. Alors, bien sûr, il y a Fast Ride. Hein, vous connaissez ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, donc Fast Ride. Fast Ride, c'est quoi? Donc, c'est l'importateur Bronco Extreme, importateur de roues aussi King Song, Begod. Ça distribue aussi tous les produits Sunken Engineery. Donc, c'est tout ce qui est folding, amortisseur de direction. Il y a les produits Carbon Revo. Fast Ride, c'est quoi aussi? C'est Dualtron France. D'accord, parce que Fast Ride vend aussi des Dualtron et importe aussi des Dualtron, mais pas que. Et il y a aussi EMS Service qui est sur son téléphone, là. Viens voir. EMS Custom. EMS Custom qui est aussi partenaire des ERC. Tu es basé où déjà? Plessis-Robinson. Il est partenaire des ERC. Il travaille en collaboration aussi avec Fast Ride. Et ben, vous pouvez aller le voir. Il est super sympa, il est compétent et tout. Donc voilà, je le recommande fortement. Bah, je vous ai fait à peu près le tour de tous les exposants, seulement il manque les ERC. On va essayer de trouver les ERC, un responsable. Et je crois qu'il est libéré, en plus il roulait tout à l'heure. Alors ça y est, j'ai fait le tour de tout le monde, mais le plus important, bah, c'est l'organisateur des ERC, c'est mon petit Fred qui est là, qui a la même voix que moi au micro. Eh oui. Bon, juste dis-moi, donc t'es le président des ERC, c'est ça? C'est un bien grand mot, ça fait quoi En fait, pas grand-chose, ça porte quand même pas mal d'emmerdes, j'ai envie de dire, mais... Tu dors pas beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut discuter de la flexibilité des bottes, de l'équipement nécessaire, de « Attends, non, une combi, c'est trop chiant, on va pas assez vite. » Bah, c'est vrai que t'as tout à faire, parce que c'est vrai que autant pour la voiture, les motos, tout est déjà normé, cadré, mais les trottinettes, en fait, c'était très très dur à faire accepter aux propriétaires de circuits, ou ça a été facile? Non, aux propriétaires de circuits, c'était assez simple, mais vu qu'on est en train de monter un dossier avec la FFM, bah, il faut travailler sur le règlement sportif, sur l'équipement du pilote, sur les différentes catégories des machines. Est-ce qu'il faut mieux être un critère sur les volts, un critère sur les ampères, sur la puissance? Donc voilà, donc on travaille tout ça, en plus de l'organisation des track days. Et c'est beaucoup de boulot quand même. Hein, ouais, c'est ça, parce qu'en voiture, en moto, c'est facile. Petite cylindrée, grosse cylindrée, c'est facile. Là, c'est différent. Avec les trottes, c'est un peu plus compliqué. Les tailles de roues, par exemple, voilà. Est-ce que 10 pouces, 11 pouces, est-ce qu'on peut monter jusqu'à 15 pouces, voilà. Donc, il faut bien tout normer pour qu'après, on puisse faire des belles sessions et puis d'être compétitif, quoi, d'être à égal entre les différents pilotes. Hein. Mais sinon, franchement, c'est génial. Bah ouais. Ça se passe super bien. C'est super cool. Hein. C'est notre deuxième événement. Mmh. C'est le plus gros rassemblement de trottes de France, là, aujourd'hui, en trottinette électrique. Et on peut le voir, hein, tout le monde a le sourire et ça se passe super bien. Hein. Bah, il y a le beau temps et tout, voilà. Bon, bah, je te laisse, je sais que ton temps est compté sur le circuit parce que tu roules et t'organises. Et là, t'as une tombola, t'as une moto à offrir, mon gars. Exactement, et pas que en plus, pas qu'une. Excusez-moi, pas que, c'est vrai que je pense qu'à mon cadeau, moi. Ouais, mais c'est effectivement le plus gros et va être la Super Soco qui a un super cadeau. Merci, Jeff, et merci Fast Ride. Mais ça va être dur, mon prochain cadeau, parce que là, j'ai mis le niveau très haut. C'est clair. Mais bon, c'est vrai qu'il y a plein d'autres cadeaux offerts par d'autres partenaires, quoi. Voilà, et après, le but, hein, c'est de promouvoir la pratique de la trottinette. Donc, bon, on n'est pas obligé d'avoir des cadeaux à chaque fois. Hein, le cadeau, c'est le circuit, c'est de pouvoir rouler tous ensemble. Et voilà, c'est bonne ambiance. Hein. Bah, je te remercie, check. Allez. Ciao. Coulisses, mon caméraman, monteur, mon pilote de drone, opérateur de drone. Pablo, chef drone, Thibaut vidéaste, on est ravis d'être là. Si vous avez des belles images et tout ça, des belles vidéos, c'est grâce à eux deux. Voilà. À la base, c'est grâce à toi quand même, parce que tu nous as commandé. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, merci Jeff. Sans vous, je ne pourrais rien faire. Bah, écoute, c'est un travail d'équipe, c'est ça. Voilà. En réalité, c'est ça, quoi. Et là, Thibaut, c'est mon monteur sur toutes les vidéos YouTube que vous pouvez voir. OneCell Production existe depuis 10 ans, je suis vidéaste et monteur. Et pour les vidéos de Jeff de tous les jours sur YouTube, c'est en mode replay et là on intervient que pour la partie montage. Et oui, des fois je me lâche un peu sur les effets, les trucs. J'essaie de rendre ça fun. S'il y en a trop, dites-le moi. S'il y en a pas assez, dites-le moi. Voilà. Et pour le drone, c'est quoi comme société? C'est Full Motion. C'est une boîte spécialisée dans la prise de vue en mouvement. Donc il y a des Mégane RS avec des gros caméras stabilisées. Mmh. Des drones, ça c'est vraiment notre spécialité. Mmh. Et on a les petits buggy radiocommandés. Aussi, ouais. Et puis il y a aussi du location de matériel à Paris pour le cinéma. Bon voilà, je vous mettrai dans la description tout ce qu'il faut. On met deux compères. Allez, ciao. Bah là on va faire le tirage au sort avec le président des ERC et Sunken. Des multiples cadeaux offerts par les partenaires des ERC. Et pour ça, il va falloir aller tous sur la piste, la grille de départ. Non, à pied. Tout le monde sur la piste, sans aucune trotte.
Ah, ils ont vraiment, vraiment du mal à marcher, hein. Dès qu'on met un pied sur une roue ou sur une trotte dans le milieu électrique, après, on fait plus un pas. Ils marchent plus. Allez, tout le monde sur la piste. Aucune trotte, aucune roue, hein. Y a que la moto, hein. Oh, salut. Le numéro 19. Alors, beaucoup d'émotions après ta chute? Oui, moi oui. Maintenant, t'as gagné la moto, ça va, ça, t'as moins mal au poignet du coup? J'ai mal du tout, ouais, c'est incroyable. C'est incroyable, hein? Ouais, ouais. Sinon, t'es content? Très content, merci beaucoup, c'est excellent, c'est incroyable. Moi, bon, t'es touché, mon ami. Ouais. Pleure pas, pleure pas. Je vais essayer. Allez. Bravo! Franchement, ils sont au coude à coude, hein, tous les deux. Ah, qu'est-ce que c'est beau ce duel. Bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, hein. Vous avez pu kiffer. Alors oui, il y a eu quelques chutes, mais c'est comme ça, dans chaque discipline, il y a des chutes. Je remercie encore énormément tous les partenaires donc, qui ont participé à l'événement, parce qu'une journée sur circuit, ça coûte quand même assez cher. Bravo à Ilyes, hein. Ilyes qui est l'heureux gagnant de cette moto Super Seco offerte par Fast Ride et par moi-même. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager, de commenter. Et je vous dis ciao ciao. Alors, le secret dans le milieu de la trottinette, c'est des trottinettes viennent de Chine, d'Asie, etc. Donc, tous ces Asiatiques travaillent en claquettes. Et bah chez nous, en France, on travaille en chaussettes. C'est différent, c'est un nouveau concept. C'est pas qu'il y a le micro. Tu vois, Jeff, je t'entends vachement bien. Donc tu fais ça pourquoi? Pour avoir de micro? C'est pour aérer la transmission, je sais pas. Je m'appelle Tizen Racine, d'accord, avec le SC. Il est tellement à fond qu'il a oublié quoi. Je souhaite que ce soit toi le vainqueur, un bon pilote français, ça nous fait plus plaisir, mais je crois qu'il y en a un autre, il y a Kylian. Chante tes doigts aussi pour Kylian. Ouais, il est chaud. Voilà. Sinon, vous voulez partager vos bières ou pas là? Oh, El Secos là, j'ai soif. Santé! Bon bref,